Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur Taibata Baldé. Taibata. Omar Taibata Baldé. Omar Taibata Baldé. Oui. On nous dit que vous avez reçu assez de blessés ici. Oui, j'ai reçu assez de blessés dans la journée d'avant-hier et celle d'hier, donc du vendredi et du samedi. Vendredi et samedi. Oui. Vous pouvez nous résumer un peu ce qui s'est passé? Oui, bon, en fait, hier particulièrement, j'ai été submergé. Hier samedi. Et j'ai eu des blessés et par différents types d'agents. Il y en a qui ont été blessés par bastonnade, il y en a qui ont été blessés par jet de pierre, d'autres par arme blanche et d'autres par arme à feu. Dans la journée du vendredi, nous avons reçu 5 blessés par bastonnade, 6 par jet de pierre, 8 par arme blanche et 5 par arme à feu. Et dans la journée d'hier, nous avons reçu 15 blessés par jet de pierre, 17 blessés par arme blanche et 7 blessés par arme à feu. Et quand on fait le cumul, ça nous fait au total 5 blessés par bastonnade, jet de pierre 21. Et ceux qui sont blessés par les armes blanches, c'est au nombre de 25. Et ceux qui sont blessés par armes à feu, au nombre de 12. Ce qui fait un effectif de 63 blessés que nous avons arrêtés dans ces deux jours. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. On n'a pas arrêté de cas de décès dans la clinique, mais nous avons référé quelques d'autres patients qui étaient gravissimes dans au CHU. Et je n'ai pas encore eu... Donka ou Ignace Dine? À Donka, par l'intermédiaire des Médecins Sans Frontières. Et la Croix-Rouge. Et vous n'avez pas eu de leurs nouvelles? Je n'ai pas eu de feedback. Parmi eux, il y a un que j'ai référé hier qui a eu un éclatement du globe oculaire. Cela veut dire? Le globe oculaire qui a éclaté suite d'un jet de pierre qu'il a eu en plein œil. Et d'autres cas spécifiques vous pouvez donner? Bon, j'ai eu des gens qui ont eu des balles qui entrent d'un côté et qui sortent de l'autre côté, qu'on appelle les plaies transfixiantes. D'autres ont eu la chance que la plaie passe, mais plutôt pas à travers la cavité abdominale, mais qui passe dans la paroi. Et donc, on a surveillé, on a gardé, on a fait les parages chirurgicaux. Voilà. Donc, il n'y a aucun doute, il y a eu l'usage d'armes à feu. C'est évident, parce qu'on a extrait des corps, des balles. Okay. Ça, c'est évident. C'est incontestable. Ok. Merci, docteur. Ouais,